Je vais vous présenter les sorties d'un travail de CASDAR Alliance sur l'intérêt des plantes compagnes légumineuses associées au blé et au colza. Ce CASDAR embarquait un certain nombre de partenaires, 19, dont des partenaires Chambre d'agriculture et Enseignement agricole. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'intérêt des plantes compagnes associées au blé et au colza et de proposer des solutions pour conduire ces plantes, ces mélanges d'espèces. D'une manière générale, on a travaillé beaucoup sur des plantes dites de service pour des services écosystémiques. Plantes dites de service, ce sont des plantes qui sont implantées avec une culture de rente pour laquelle on n'attend pas de récolte, mais dont on attend des services de régulation des mauvaises herbes, de régulation des insectes, de restitution d'azote, tout en maintenant une production rentable. On a commencé tout d'abord par évaluer les performances agroécologiques de ces mélanges de deux manières. D'une manière générale, sur l'ensemble des cultures annuelles, sur des travaux déjà publiés dans la littérature scientifique, partout dans le monde, et d'autre part sur le colza associé en compilant un certain nombre de dispositifs expérimentaux qui avaient été réalisés depuis 2008. Dans les deux cas, nous avons pu observer que l'association avec des plantes de service permettait à la fois un maintien de la production, parfois même une augmentation de la production, comme c'est le cas pour le maïs associé à des trèfles ou comme le colza associé à des féverolles, tout en permettant une réduction des adventices en termes de biomasse, réduction qui pouvait aller jusqu'à 40-50% de biomasse de cette adventice. Et cette réduction était permise par un effet compétition de ces légumineuses associées aux plantes annuelles. La deuxième chose qui a été réalisée, c'était de comprendre comment ces plantes interagissaient les unes avec les autres et permettaient d'assurer ces services. Tout d'abord, un travail en mésocosme, où on a augmenté progressivement la diversité à la fois génétique des blés et spécifique en introduisant des trèfles à ce dispositif. On augmente ainsi la diversité de l'ensemble de végétal et animal. Et en augmentant cette diversité, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la biomasse de blé et une augmentation de la captation d'azote par l'ensemble du système. On a également cherché à comprendre comment la restitution d'azote était permise par certaines plantes de service, et là, les composés physico-chimiques de cette plante de service étaient très importantes, en particulier le C-sur-N ou la biomasse en contact avec le sol après la destruction par le gel. On a essayé, in fine, de construire aussi des outils, plusieurs, et là je vais vous en présenter qu'un seul, un outil d'aide au choix des espèces qui permettait d'aider l'agriculteur ou le conseiller à choisir une espèce ou une combinaison d'espèces qui permettait d'assurer le service demandé, comme la perturbation des ravageurs, la régulation des adventices et la restitution d'azote en engrais vert. On a réalisé ceci en mobilisant une chaîne causale très fonction service que l'on a co-construit avec l'ensemble des acteurs du CASDAR. L'ensemble de ces résultats sont disponibles sur le site qui vous est donné ici. Je vous remercie de votre attention.